Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler un petit peu de KDE. Donc j'ai récupéré KDE Néon, voilà, donc tout simplement parce que c'est une c'est quand même un système qui se veut assez aux nouvelles des nouveautés, voilà, donc par rapport à KDE, là vous avez vu que c'était un 5.21, euh, bah, ce sera pour tester, on va dire, les nouveautés de KDE, voir ce qu'il peut y avoir au niveau du design, des choses comme ça. Et voilà! Je vais me connecter. <laughs> voilà, il sert à ça. Donc, euh, j'ai euh, remis par rapport à la machine que j'avais mis euh, sur Fedora. Donc, euh, on est toujours sur du SSD. Ça, c'est plutôt pas mal. Euh, hop, j'enlève toutes les notifs. Et voilà. Donc, voilà KDE. Alors, juste une chose. Juste avant de faire la vidéo, enfin, avant. C'était quand même hier la veille que j'avais euh, bidouillé un peu. J'avais essayé divers thèmes. Donc, du coup, je me retrouve avec autre chose que le logo d'origine. Voilà, c'est le lanceur d'application, mais il a pris. Euh, un autre logo donc euh, entre guillemets je m'en excuse mais bon ça ne fait rien parce que le reste n'est pas touché donc ici donc on a le menu les icônes évidemment là c'est le doc de Mac merci Mac <laughs> ici on a la date l'heure et les icônes aussi euh, donc le Bluetooth internet tout ça donc ça c'est plutôt pas mal donc c'est comme d'habitude de toute façon ça ne change pas le doc vous pouvez éviter le doc non le tableau de bord, vous pouvez le modifier. Donc changer la taille, etc. Donc moi j'ai mis en 64 pixels. Euh, tout simplement par rapport à la taille de mon écran. Donc euh, je pense que depuis quelques temps, vous avez bien vu qu'on était en ultra HD quand même en général. Donc euh, c'est vrai qu'il faut s'adapter. Donc si je vais ici. Zut. <laughs> J'étais un peu vite. Ok. Donc ici on a le panneau de configuration. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là si je vais dans affichage, voyez-vous. Donc là on a. Comme d'habitude, le 2K en écran et là je l'ai basculé en euh, multiplié par 2. Voilà au niveau de la grosseur et tout. Et ce qui fait que je peux évidemment mieux lire parce que si je le mets en normal, eh ben c'est illisible, c'est tellement petit, c'est juste impossible. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait et KDE me permet donc merci à eux de prendre en compte quand même les euh, écrans à haute densité. Et il faut le prendre en compte parce que de plus en plus, maintenant, les écrans sont passés en 4K. Donc, euh, de toute façon, c'est comme ça, c'est normal c'est normal. On évolue, donc, on a de l'OLED qui arrive petit à petit, on a du 4K, il faut le prendre en compte, euh, obligatoirement. Donc, là, si je vais un petit peu sur euh, le gestionnaire, donc, il est ici dans le système. Hop là. Le gestionnaire, euh, pas le gestionnaire, mais celui qui se charge de voir un petit peu ce qu'il y en est de l'ordinateur. Donc là j'ai 1 Go de RAM utilisé sur les 5 que j'avais alloués à ma machine virtuelle. Donc c'est bien. C'est heureusement. Euh, quand même KDE est toujours en dessous. Et là justement, il conserve un petit peu le titre. Même si ça augmente un petit peu au niveau de la mémoire, même en 64 bits. On reste en dessous de ses concurrents. Donc sur du GNOME, du euh, XFCE, je sais plus, faudrait que je revoie. Je réinstalle un XFCE parce qu'il en est. Mais malgré tout, un giga c'est bien, c'était bas maintenant, on peut le considérer comme correct. Et euh, ça permet d'utiliser correctement sa machine. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, euh, celui-là qui a des néons, à part avoir Firefox, c'est vrai qu'il est vide. Voilà, si je vais dans la bureautique, j'ai rien à part Ocular pour juste voir des documents. La configuration du système, j'avais rajouté qu'à 20 tomes ici présent, donc euh, je vous en dirai un peu plus plus tard euh, quand j'aurai mis quelques thèmes. Euh, quelques trucs de développement parce qu'on est en QT, donc euh, alors je vous le dis tout de suite, c'est en QT et avec Wayland. Voilà, donc Wayland, ça fait un petit moment qu'on en entend parler, mais c'était pas très très démocratisé. Hop, je reviens là, mais euh, ça y est, c'est fait maintenant. On arrive à se faire du Wayland vraiment sur KDE, et ça c'est plutôt pas mal. Donc euh, vous voyez comme vous voulez, mais là maintenant on est sûr que euh, c'est en place, c'est bon. Graphisme, bon bah il n'y a pas grand chose d'autre, c'est pour ça que je vous avais dit, il est vraiment vide. Multimédia en avait le C quand même, donc ça c'est bien, il n'y a pas besoin de rajouter. Et après, bon bah vous faites ce que vous voulez, vous rajoutez euh, bah comment dire, les logiciels pour le montage vidéo, etc etc. GIMP, tout ça, c'est à vous de voir par la suite. Voilà, donc il y a des choses et en même temps il n'y a rien, mais euh, ce que je trouve vraiment pas mal c'est d'avoir intégré VLC et ça c'est bien. Et ça, je jamais utilisé, capture d'écran, ça c'est bien, on l'a au moins. Euh, on peut euh, directement faire des screen recorders directement avec ce logiciel. Et ça, c'est cool. Internet euh, et tout. Donc, j'ai vu à peu près le menu. Bon. Si on en revient à ce menu, justement, il a changé un petit peu de design. Je ne sais pas si vous voyez. Déjà, il y a un effet blur euh, bleu, euh, flouté. Voilà. C'est vous qui voyez. Donc, on le voit ici derrière. Et on a cette partie-là qui est opaque. Ainsi que le dessous. Donc, ça c'est un petit peu nouveau par rapport à ce qu'il y avait avant. Et c'est plutôt bien d'avoir pensé à faire ça. Ça change un petit peu et je trouve que c'est pas. C'est vraiment bien fait. Ça va pas n'importe où. Et par rapport à ce qu'il y avait avant comme menu sur KDE 4 et le début de KDE 5, eh ben, euh, je préfère celui-là qui euh, est quand même plus clair. Et qui euh, ne va pas dans tous les sens dès qu'on bouge la souris. Voilà. Donc, la euh, l'icône, je sais pas. <laughs> Alors, réinitialiser les icônes Ok, non, bon, c'est pas grave. Hop. Euh, Paramètre, je l'ai fait déjà. Ici, j'ai la Logitech. Donc, assez complète, hein, en demeurant Donc, euh, bon, on bah, a Krita qui est là, Digicam, etc. Donc euh, on peut le récupérer. Après, si je vais dans applications, hop, la bureautique. Vous avez tout le reste. Donc on a du LibreOffice. Euh, J'ai vu où ça Calibre, Calibre, Calibra. Il est où Calibra bon, Il doit être quelque part. Caligra, voilà. Oh là là. On a vraiment tout et ça c'est cool. On peut même avoir WPS Office. Bref, euh, ça c'est bien. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment à vous de, de mettre ce que vous voulez. Et ça c'est, moi j'aime bien cette possibilité de faire ce que vous voulez. C'est cool. C'est déjà la base. Vous mettez deux, trois petites choses que vous aimez, avec lesquelles vous travaillez habituellement, et vous êtes tranquille. Voilà. Dolphin, évidemment, il fait du Dolphin. Donc, ça, c'est évident que c'est pour moi, c'est vraiment le meilleur des gestionnaires de fichiers qui ressemblent. En fait, il y a tout prix. Les bons points de Windows, les bons points de Mac, les bons points de Linux. Bref, il y a tout compilé en un seul et simple système de fichiers. Et regardez, là, ici, on peut avoir une preview, justement, des fichiers. Euh, si je vais dans le screenshot, voilà. Ça c'est cool, je peux scinder mon écran, je peux avoir des onglets, je peux tout avoir, je peux faire tout ce que je veux franchement. C'est euh, le bonheur à l'état pur, franchement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'adore ce système de... Enfin ce navigateur du fichier, pour moi c'est le meilleur. Alors je sais pas ce si que vous en pensez vous, vous me dites dans les commentaires, mais je trouve que... Euh, voilà, c'est assez simple. Par contre, il marche qu'avec K2 quasiment, on ne peut pas l'installer vraiment autrement. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais néanmoins... On a vraiment tout, on a euh, hop la mode d'affichage, démarrage général, voilà aperçu. Donc une fois que vous avez mis ffmpeg, alors là vous êtes le roi du pétrole avec, avec ça, ça vous affiche vraiment tous les vidéos, les images, tout, 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 les gimp, euh, enfin bref, je vous refais pas le détail. Franchement, euh, vous avez compris, je l'adore. Voilà. Ok, donc. Euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour de toute façon. J'ai pas regardé les fonds d'écran. Alors, euh, configurer les bureaux. Ici présent. Hop. Voilà. Donc là, on a les quelques petits fonds d'écran et c'est vraiment de l'abstrait. En général, c'est abstrait. Euh, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Bon. moi personnellement, ça me touche pas tant que ça. À part celle-là, pourquoi pas. Vous voyez, en fait c'est vraiment très 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 très, très léger hein, le floutage. Voilà, c'est comme bien opaque à la base. Mais néanmoins, on a ce petit truc-là. Voilà. Alors, euh, si je reviens ici sur les paramètres, voilà, ici je peux avoir l'apparence. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Euh, Là-dessus, c'est des applications. De toute façon, on y reviendra plus tard. Qu'est-ce hein. euh, qu qu'il me dit là donc, voyez-vous, je peux changer Oxygène, Mac, euh, Mac, Windows, Fusion, Brise, bref. Vous avez vraiment plein de choses qui sont possibles ici, ça c'est bien. Pareil pour les couleurs, je peux avoir des couleurs, les changer, faire ce que je veux. Là, si je vais ici, et vous l'avez ce bouton-là à chaque module, et ça c'est bien, je peux télécharger euh, des modes de couleurs, et ça j'adore. Voilà. Donc, bon, bah, pas besoin de l'installer. Euh, la brise plex par exemple, je l'installe. Hop, c'est parti, c'est installé. Et j'ai plus qu'à aller fermer cette fenêtre. Alors, ah, brise plex, il est ici. Si je fais ça. Et que j'applique. Et voilà, tout est bleu. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais au moins c'était pour vous montrer. Euh, future. Non, franchement, il y, a, il y a pas mal de petites choses assez sympas. Décoration des fenêtres, pareil. Là, ici, je peux changer euh, comme je le veux, et ça, c'est bien. Je peux faire ça. Hop, appliquer. Hop. C'est bon, c'est changé. J'ai eu un peu peur. Donc, ici, hop. Je crois que c'était transparent, bref, on s'en fout de ça. Euh, ici, la police, les icônes et tout. Donc franchement, vous pouvez faire en gros ce que vous voulez. Ça c'est clair. Euh, on va mettre du Windows. Allez hop. On s'en fout. Hop. Tout est mis à jour. Maintenant, si je vais sur Gestionnaire de fichiers... Ah oui, évidemment. Euh, documents. Vous voyez, toutes les icônes ont à peu près changé, donc ça, c'est bien. Voilà. Non, franchement, c'est ce que j'aime bien dans KDE, c'est que franchement, on peut faire ce que l'on veut. Honnêtement, vous faites vraiment euh, à votre guise. l'appareil si vous voulez euh, remettre des nouvelles icônes, vous allez ici, vous allez euh, installer, par exemple, les icônes de Windows Vista. Boom, c'est parti. Bon, bah le temps qu'il a, il les quand même. Hein. Faut un petit peu de temps. Et voilà. Hop, hop, appliquer, fichier, et voilà. Bon, tout n'est pas pris en compte, hein. mais c'est pour dire. <laughs> voilà. Bon, en attendant, de toute façon, ce truc là, je vais le garder de côté. Ça, ce KDE, je vois ce qu'il en sera par la suite. Euh, si je change le thème plus tard, si je fais des petits trucs avec euh, Kavantum pour voir s'il y a des thèmes assez sympas, pourquoi pas refaire 2-3 vidéos là-dessus. Euh, pas 36 000 non plus, hein, mais pourquoi pas? On verra. Euh, Je vous dirai ça par la suite. Hop, thème globaux pareil. Alors, ça c'est pareil. Ah, vous allez ici, vous allez récupérer ce que vous voulez, et ça c'est bien. Alors, fermé. Voilà, donc du coup. Euh, si on en tire un point global, euh, on va dire, sur les points positifs et les points euh, négatifs. Alors les négatifs, on va aller... Je vais commencer par celui-là parce qu'il court. Si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter à aller chercher des logiciels, ça va vraiment être le seul point négatif. Voilà, c'est tout. Euh, sinon le point po les points positifs c'est vraiment tout le reste. Simplicité d'utilisation, KDE qui est léger, le fait qu'on ait à récupérer uniquement les logiciels dont on a besoin et pas avoir pléthore de logiciels dont on s'en fout entre guillemets, à euh, moins vraiment de vouloir absolument ces logiciels, mais c'est vrai que souvent vous prenez une distribution par exemple Ubuntu, euh, bon Ubuntu c'est vrai qu'elle est simple. Bon il y a du LibreOffice, il y a du VSC et tout, c'est vrai que c'est déjà préparé à notre guise à la base. Très souvent c'est souvent les mêmes logiciels qu'on prend. Mais euh, il y a d'autres logiciels, d'autres distributions, où justement, on a euh, quelques logiciels dont on n'utilise pas et qu'on va désinstaller et installer d'autres. Donc là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va euh, partir de la base, à part Firefox qui est là, mais bon, il faut quand même un navigateur internet, hein, c'est minimum. Euh, mais euh, on va euh, juste récupérer ce son dont on a besoin et puis c'est parti. On est sur une base Debian, donc on a du aptitude pour installer. Euh, euh, nos logiciels, on a euh, ça aussi pour pouvoir récupérer des sources externes et récupérer par exemple 40 pour ma part ce que j'avais pris et ça c'est plutôt bien. Euh, le thème, enfin pas le thème, mais la petite amélioration graphique, on va dire, avec ce petit menu qui a été un petit peu amélioré, etc. Donc je trouve que. Euh ça rend le système vraiment très sympa à utiliser. Euh, c'est pas fait pour faire du Windows obligatoirement, hein, même si ça y ressemble un petit peu parce que le menu est à gauche. Vous avez l'heure à droite, euh, vous avez la preview. Alors, ça, je vous ai pas totalement montré, mais j'ouvre ça. Si je retourne là, vous avez la preview de la fenêtre. Donc, franchement, ça c'est vraiment tout bon. Et puis, les effets graphiques pour ceux qui adorent ça, bon bah vous en avez à Pléthore. Voilà. Donc, pour moi, c'est quasiment du 100% bon. Voilà. Donc, euh, après, on aime, on n'aime pas. Moi, honnêtement, c'est vrai qu'il y a deux bureaux que j'adore. Il y a XFCE parce qu'il est hyper léger. On peut faire deux, trois petites choses dessus, l'améliorer. Voilà. Mais il y a surtout KDE qui, lui, se veut malléable à souhait. Et en plus de ça, si on reste dans les clous avec les thèmes qui sont préparés, que l'on récupère sur Internet, franchement, ça le fait. Voilà. Ah, si, autrement, le. Euh on va dire le point négatif, vite fait, si on veut. Euh, on n'a pas grand chose en fond d'écran. Voilà. Donc, c'est vraiment des trucs toujours abstraits et tout. Et puis, euh, bon, bah, on n'a pas non plus des photographies euh, très, très sympathiques. Euh, bon, ça, pour moi, c'est assez banal. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mais, euh, bon, allez, on va le dire là-dessus, euh, vite fait. Voilà. Mais sinon, honnêtement, il n'y a pas grand chose de, à dire du négatif. Pour moi, c'est quasiment du 100%. Bon. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Nous on se retrouvera pour une prochaine. Je rallumerai euh, sûrement avec vous un peu plus tard pour voir s'il n'y a pas des petits thèmes euh, assez sympas euh, pour KDE, parce que c'est vrai que KDE on le prend quand même pour les thèmes en général. Et euh, voilà. Donc vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que euh, bah, voilà vous utilisez KDE Pourquoi vous l'utilisez Et puis euh, moi de mon côté, je vois s'il y a du nouveau. Euh, j'avais pris KDE tout simplement parce que j'avais vu qu'il y avait la, la 5.21 qui était sortie. Euh, récemment et puis là je crois qu'il y a du deep In OS à tester, voilà. Alors je sais pas si vraiment ça vaudra le coup, je vais voir ça. Externe OS pour le moment j'arrive pas à le faire fonctionner, il bug à tout, dans tous les sens et ça ça m'embête un peu. Parce que franchement celui-là je voudrais bien le faire démarrer, faut jouer de ce côté-là. Euh, c'est une galère, voilà c'est vraiment une galère parce qu'il n'est pas du tout finalisé, ce truc là c'est une vraie bêta. Allez on se retrouve pour une prochaine et à bientôt et surtout faites attention à vous. Ciao.